J'ai toujours voulu aider les gens, donc c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Puis le côté dentaire, ça m'a toujours vraiment intéressée. Puis finalement, avec le temps, en faisant la formation, je me suis rendu compte que plus le temps avançait, plus je me voyais vraiment faire ça dans la vie, continuer là-dedans. J'ai choisi de reprendre mes études en soins infirmiers parce que j'ai toujours aimé travailler avec le monde. J'ai toujours aimé travailler dans des centres hospitaliers, voir le monde, aider les gens. Donc ça a été comme mon rêve à se réaliser. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le soutien que j'ai eu, en fait. Je pourrais dire que le personnel est extraordinaire, qu'ils ont toujours été là pour nous aider quand il y avait quoi que ce soit. Et puis la formation aussi, les professeurs ont vraiment bien expliqué, on a fait des choses très intéressantes, appris beaucoup de choses. Donc, j'étais très satisfaite. Travaux pratiques de laboratoire, ça a été vraiment excellent parce qu'on on manquait vraiment de rien dans les salles dans les laboratoires. On avait tous les matériaux, il y avait vraiment tout, tout, tout. Ce qui m'a inspirée le plus, je dirais que c'est mes professeurs. J'ai eu deux professeurs extraordinaires, Gabrielle et Chantal. Qui nous ont encouragés, même quand ça n'allait pas bien puis qu'on voulait abandonner. Ils étaient là pour nous épauler puis pour nous dire de ne pas lâcher, que la fin arrivait bientôt. Donc, je dois vraiment ma réussite à mes deux professeurs. Oui, la formation m'a préparée au marché du travail parce que le collège CDI fait un suivi. Dès que vous avez terminé, j'ai appelé pour qu'on m'aide à faire mon CV. Et ils m'ont aidé à faire mon CV. Ça m'a vraiment beaucoup aidé ce CV-là à avoir. C'est le suivi qui est plus vraiment bien. En fait, j'ai été engagée à mon stage. Donc, j'espère pouvoir rester là beaucoup, beaucoup d'années parce que c'est une opportunité extraordinaire que j'ai eue de pouvoir être pris dans un hôpital. Alors, ce serait mon projet futur, ça serait vraiment de rester à cet endroit-là pour très longtemps.